Quentin est fier, fier de jouer avec ses camarades du conservatoire et surtout fier de sa nouvelle oreille. Après plusieurs années d'attente, le jeune homme a enfin été opéré aux États-Unis en octobre. Petit à petit, je commence à entendre. Au niveau aussi esthétique, je vois avec une oreille, je me vois avec une oreille dans le miroir et puis plus qu'à attendre la deuxième pour que je sois comme tout le monde. Quentin est né sans oreille en 2005. Après plusieurs opérations ratées en France, ses parents ont décidé de se tourner vers les États-Unis. Résultat, la reconstitution de l'oreille gauche et du conduit auditif droit. Pour le moment, je commence à entendre, mais ça va se faire progressivement. Il faut que le tympan s'adapte et puis ça m'insiste. Et normalement, c'est jusqu'à mi-février, mi-mars que je devrais entendre et on va faire un test auditif. L'opération a été possible grâce aux dons et à toutes les actions organisées par l'association Quentin pour deux oreilles, créée il y a 2 ans. Grâce à la solidarité des gens, c'est beau aussi, quoi. C'est vrai qu'on est... On est bien soutenus, bien suivis, les gens nous encouragent, nous disent que c'est bien. Voilà, on est content, puis c'est bien que du résultat qui... Voilà. Un super résultat, ouais. Et l'aventure n'est pas encore terminée. Il manque 30 000 euros pour financer la deuxième opération. Quentin retournera à Los Angeles en avril. Un dernier séjour à l'hôpital pour enfin ressembler à tout le monde, son vœu le plus cher.